Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Aujourd'hui, c'est un jour de haul. Regardez-moi ça. Haul, haul chaîne. Alors, on va faire une capture pour la mini. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à chaîne. Donc, du coup, j'ai acheté quatre choses. Hein. Regardez-moi ça. Sans plus tarder, je vous ouvre le paquet. Du coup, j'ai fait ça comme ça. Ah, là, c'est fait. On va compter le nombre de paquets. 1, 2, 3 et 4. Donc, du coup, comme on a une soirée, j'ai pas voulu trop gaspiller beaucoup d'argent. J'ai pas voulu acheter les choses qui coûtaient cher. J'ai dit à mon mari, écoute, tu n'as pas l'habitude de porter les chemises noires, ça sert même pas d'en acheter. Il voulait acheter une chemise qu'il avait vue à 40 et quelques euros. Je lui ai dit, ben non, je vais te chercher quelque chose chez Shein. On attend d'abord voir la qualité avant la date prévue. Comme ça, tu auras le choix. Comme ça, tu verras s'il faut mettre ce que j'ai acheté, si ça te va bien, pourquoi pas. Donc du coup, lui n'est pas trop à l'aise de s'habiller tout en noir. Normalement, c'est une fête d'anniversaire, il n'est pas trop à l'aise. Mais après, je lui ai dit, mais non, tu mets ton ensemble, ton costume bleu de nuit, ton ensemble veste bleu de nuit. Après, avec une chemise noire, ça fait rien. L'essentiel est que tu sois dans les thèmes. Donc, du coup, la chemise, je verrai ça après. J'en doutais. En tout cas, donc qu'est-ce que j'ai acheté à Shein? J'ai acheté les cils. Je vais commencer par les cils. Eh, maman manga et madre mia, madre mia. Regardez-moi ça. Je pensais que c'était quelque chose de distrait, mais ça là, qui va mettre ça? Ah, c'est trop énorme. Ah là là. Ouf. Mais je peux pas tailler ça. Oh, on peut passer l'année. Oh là là, s'il y avait la possibilité de remettre, j'allais remettre. Hein, mais quelque chose qui m'a coûté, ça m'a coûté combien? 1,50€. Je vais encore remettre. Ah, mais moi, je suis pas touchée à ça. Hein. Heureusement, j'avais d'autres cils. Mais ça, c'est pas mon genre, au fait. Ça sera plus grand que mon visage, au fait. Ça va pas me correspondre. Moi, j'aime des trucs indiscrets, j'allais dire. Donc, du coup, je suis pas sûre. Donc, donc, je vais commencer par les cils. J'ai acheté ça. Ça vient avec 5 cils. Hein. Donc, au total, 10, comme vous voyez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'a coûté 1,50€. C'est très économique chez Shein et bien emballé. Rien à dire. Et j'ai acheté une perruque. Regardez-moi ça. J'ai pris la couleur noire. Si je ne me trompe pas, hein, je pense que c'était la couleur noire que j'ai pris. Parce que ces derniers temps, j'ai trop utilisé la couleur roux. Et ce que j'ai remarqué, que si tu es trop brune, oh, je suis pas trop brune, hein, je suis, je sais pas, je peux dire marron, comment, je sais pas. Mais je trouve que la perruque roux bien, et ça ne me tient pas à la perruque jaune et tout. Donc, du coup, j'ai acheté ça, regardez. Ça a l'air bien. Oh. Donc, c'est arrivé comme ça. Après, je vais vous dire le prix, hein. Waouh, 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 j'aime bien. J'aime bien, c'est pas mal, hein, la qualité et tout, voilà, c'est pas mal. Ouais, 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 ouais. Ah, mais ce que je comprends pas, ici c'est touffu, ici ça a un peu relâché, j'ai pas compris pourquoi, quoi. Sincèrement, quoi, ce connerie, là? De toute façon, c'est pas mal. Au niveau de la longueur, c'est pas mal. Et à l'intérieur, c'est ça. Ça vient avec lacet. Donc, ça, c'est pas la perruque synthétique. Hein. Déjà, la synthétique, au fait, c'est pas la perruque naturelle. Déjà, la naturelle, quand j'achète les gaufres comme ça, j'ai l'impression qu'il faut bien prendre soin de ça. Par contre, avec semi-naturel, hein, c'est ça, au fait. C'est ni naturel, ni synthétique comme le pétrole. Vous-même, vous voyez, ça brûle pas trop.
Donc, du coup, ça, je trouve ça bien. Je vais essayer sur ma tête. Attendez. Je vais essayer sur ma tête. Comme ça, vous aurez l'idée de comment ça sera, quoi. Je sais même pas si c'était tout droit ou à côté. Ouais, c'est un peu à côté. D'accord. Ça a l'air bien, hein? Là déjà, j'ai pas encore posé, ça me tient déjà. Ça a l'air bien, j'aime bien. J'aime. Comme ça, je serai un peu différente, quoi. Regardez-moi ça. J'ai pas l'habitude de mettre les perruques avec les perruques. Comment on appelle ça, le truc là? Les perruques bouclées. Mais résultat que me queda, phénoménal. Ah là là. J'aime, hein? C'est trop, oh, c'est trop chic, hein. Oh là là, vous savez combien ça m'a coûté, ça? Là, c'est parce que j'ai les mèches, hein. Je laisse ça derrière. C'est parce que... Ah, mais j'aime bien le résultat. Je sais pas si c'est de loin avec le maquillage que j'ai mis. Je sais même pas comment ça va sortir mon maquillage, mais en tout cas, j'ai trop mis de la matière, en fait. Bon, vous voyez ici, ça ne ressemble pas à mon teint, mais il s'agit de mettre le couleur de mon fond de teint ici, pour essayer de dissimuler avec ma peau. Regardez pourquoi j'aime les perruques synthétiques. Au fait, ça c'est pas au fait c'est du synthétique mais qui supporte la chaleur. Ça ne donne pas trop de chaleur au fait. J'ai déjà utilisé ça. J'ai au moins deux ou trois perruques et avant je vendais ça aussi. Donc du coup j'ai essayé ça. Hein. Il se peut que je puisse revendre ça aussi. Hein. C'est pas mal. Donc, c'est bien bouclé par rapport à son prix. Je trouve que c'est bien. Est-ce que tu viens de vidéo, Karine? Et la perruque m'a coûté 26 euros. Donc, c'est pas mal, quoi. Regardez-moi ça. Oh! Ah, mais non, c'est trop joli, c'est trop joli. En tout cas, non, mais l'espéra bas, hein. Je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, le résultat est trop chic. Ah, ça, c'est mes mèches. Ah, ça, c'est mes mèches. Oh, pas les mèches, je vais les cheveux. C'est pas mal, hein? Après, je sais pas. Là, j'ai pas bien posé ça. Là, j'ai pas encore bien posé, mais nada. Rien à dire, quoi. Está chulísimo. A mí me gusta. Avec ça, le fait que ça soit un peu coupé comme ça, j'aime. Hein. Je sais même pas si c'était comme ça. Je me rappelle plus du modèle. C'est moi, je me suis dit que non, pour aller à cette fête, je vais changer un peu de tête, mettre quelque chose que je n'ai mis. Donc, ce genre de perruque, quoi. Avant, oui, j'avais ça, j'aimais, mais ça fait longtemps. En 2018, oui, j'avais une perruque comme ça que je mettais jusqu'à ce que c'était devenu comme comme les cheveux d'un fou. C'était en synthétique aussi, je ne pouvais pas récupérer ça après. Bon, fuera. Je les avais jetés. Bon, après ça, ah, dites-moi si vous avez aimé. Hein, n'hésitez pas à mettre sur les commentaires si c'est bien ou comment. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je suis trop fan. Je suis trop fan. Está muy bonito. Ah là là, j'aime. Malgré que je n'ai pas encore bien posé ça. J'ai pas bien posé ça hein, parce que j'ai les mèches et tout. Bon. En plus, les tresses que j'ai fait là, je dois défaire ça à cause de la fête. Bon, c'est encore un peu loin. Hein. Ouais, je sais plus que ça puisse se gaspiller déjà, mais je n'ai pas fait ça avec l'intention de défaire ça maintenant. Donc, regardez, ça donne ça, en fait. Ça donne ça, hein. C'est pas mal. Hein. Très joli. Et derrière, ça donne ça. Du coup, ça se voit pas trop. Après, c'est pas mal. C'est pas vraiment, c'est pas du tout mal. Et qu'est-ce que j'ai encore acheté? J'ai acheté ça, cette robe. Je vais l'essayer peut-être à la fin de la vidéo. Regardez-moi ça. Cette robe, ça c'est le nom de la personne qui l'a vendue là. Dancing, dancing, dancing. Ah, la qualité. La première impression, la qualité du tissu, rien à dire. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Waouh. C'est une très très bonne qualité. Oh, mais après, je sais pas, j'ai l'impression que c'est déjà gros, hein. Ou bien c'est dans ma tête que je suis toujours mince.
Normalement, moi, je mets la taille M, mais je n'avais pas voulu la taille M à cause des fausses tailles, en fait. Parfois, quand tu achètes quelque chose, ça te serre encore trop, ça devient trop court et tout. Donc, du coup, j'ai pris cette taille, mais je ne sais pas si je peux retoucher, mais je vais l'essayer d'abord. Donc, la robe, je vais essayer de vous mettre la photo, hein, de la perruque, des cils, et ça, je vais vous mettre ça à côté, comme ça, vous aurez l'idée. Donc, la robe, c'est un peu ça. Ouais, je pense que c'est le modèle que j'ai vu et ça fait ça. Attendez. Ça donne un peu ça, en fait. Un peu. Je vais essayer de prendre un peu ça. Un peu ça, je sais même pas. Donc, du coup, il y a le bras qui sort de ce côté-là et tout. Je vais essayer ça, comme ça, vous allez voir. Ou bien, je vais mettre le mannequin ici. Comme ça, vous allez voir. En tout cas, je suis pas dessus, hein. Le fait de prendre ça, je sais que ça sera long. Ça va me couvrir, les pieds et tout. Je suis pas dessus. La qualité est très 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 bonne pour 26 euros. Ouais, pour 26 euros la robe. Ah non, la robe m'a coûté 17 euros. C'est la perruque qui m'a coûté 26 euros. Nada que dire, hein. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Nada, está muy bien les pressions. Le prix est trop top. Bon. À propos de la chemise. Déjà en touchant, ça c'est en nylon. Ça, mon mari ne va pas aimer. Mais je vais essayer de lui convaincre. Hein. C'est une fête, c'est une soirée, rien à dire. Chic! Heureusement, le thé de la France, là, c'est pas le thé de l'Espagne. Sinon, la peau allait coller. Regardez-moi ça. C'est de l'huile. Mais c'est quelque chose qui est très chic. Hein. Il peut bien le mettre. Ça ne se voit pas, au fait. Je ne sais même pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça. Je vais mettre la photo aussi. J'avais pris une grande taille pour lui. Au lieu de prendre sa taille, j'avais pris XL. J'ai pas voulu prendre sa taille parce qu'il est grand de taille. Je voulais pas que ça soit dongué ou quoi que ce soit. Avec les choses des Chinois, là, il faut toujours prévoir, quoi. Parfois c'est ça, parfois c'est pas ça. Donc, du coup, à mon niveau, je sais pas si la taille est bonne. Et sur mon mari, je sais même pas si ça sera une bonne taille, mais tout à l'heure je vais essayer ma robe, hein. Donc ne quittez pas, restez jusqu'à la fin. Pour ne pas que la vidéo puisse être très longue, je vous propose de mettre la vidéo quand je vais essayer la robe là à côté, au moment où je vous commence à montrer cette robe, je vais parler de cette robe. Je sais pas si je vous ai dit la taille c'est la taille L. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, pourquoi pas. On se dit hasta la prossima. Ciao!